Bienvenue dans cette petite vidéo très rapide, je pense, hein, sur l'arrivée du Pélican, un vaisseau très connu des fans de Halo dans Microsoft Flight Simulator. C'était un peu la surprise de la conférence Xbox Bethesda il y a quelques jours. Après le Dark Star de Top Gun, voici un autre avion fictif, celui de Halo. Mais vous verrez, c'est un avion qui est vraiment totalement différent des autres avions qu'on peut trouver sur Flight Simulator. Donc on peut y trouver un petit intérêt à le tester et à l'utiliser dans le jeu. Pour la petite histoire, le Pélican, c'est quoi? C'est un avion de transport de troupes dans Halo, qui est utilisé par l'UNSC, qui est la principale faction humaine dans Halo, et donc qui sert à transporter les troupes militaires sur le champ de bataille. Mais il peut aussi servir de soutien grâce à son armement embarqué. Alors évidemment, dans Flight Simulator, vous n'allez pas pouvoir tirer des missiles. Et d'ailleurs, il a normalement aussi une mitrailleuse à l'avant, qui n'est pas présente dans le jeu. Il faut savoir que dans la série des jeux Halo, il y a plusieurs versions du Pélican. Celle qui est proposée là dans Flight Simulator, c'est celle des tout premiers jeux de Halo 1 et Halo 2. Cette version-là est aussi dans Halo Reach, mais avec une version du cockpit un peu différente. Parce qu'après, dans le jeu, il existe d'autres versions du Pélican, dans Halo 3, Halo Wars 2, ou Halo 4 ou Halo 5, et c'est pas les mêmes que celui-là. Elles diffèrent un petit peu par leur design et des fois le matériel militaire embarqué. Donc on a droit dans cette mise à jour à plein de livrées différentes, on en a 12 en tout. Alors de ce que j'ai pu voir, il y en a certains, les très colorés sont utilisés dans le RTS Halo. Et sinon on a une version, la version classique c'est la première, et puis on a sûrement des versions utilisées dans d'autres jeux Halo. Ici on a la version police, c'est celle qu'on peut voir dans Halo 3 ODST. Dans poids et équilibre. C'est assez basique, il y a deux réservoirs, on va remplir que le premier, on pourrait remplir le deuxième aussi. Et en charge utile par contre, il n'est pas possible de mettre les 10 passagers que pourrait transporter l'avion. C'est un peu dommage. Et donc pour notre vol, pour le tuto du Pélican, on va visiter Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis. On va partir de la base militaire ici, qui est gérée par les Émirats Arabes Unis, et où est stationnée aussi la force armée australienne. J'ai vu qu'il y avait des hélicoptères, donc on va se mettre sur un point de stationnement des hélicoptères. Vous verrez que avec le Pélican, on n'utilise pas la piste de décollage. On va aller vers le Burj Al Arab, voilà, en passant par le Burj Khalifa. Ajouter. Et donc nous voilà dans Halo, comme vous pouvez le voir. J'espère qu'un jour ils nous feront un Halo Simu. On pourra piloter ce genre d'engin de manière réaliste. Pour être sympa, un peu un Arma Halo. Bref, on se met prêt à décoller. Donc on est bien sur notre poste de décollage où d'habitude il y a des hélicoptères. Vous voyez que il est quand même très grand cet avion. Il est 30 mètres de long, il me semble. Allez, c'est parti. Donc on va décoller avec cet avion. Comment ça marche? Alors les procédures au début, c'est on vérifie si le manche il est bien fonctionnel, la manette des gaz fonctionne. Le truc très marrant, je sais pas pourquoi, c'est la logique du truc, mais quand vous montez la manette des gaz au-delà des 50%, le vaisseau saute. Voilà. Alors, je sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est normal? Voilà, une fois qu'on a fait ça, on active ici la master battery, batterie générale, et les avioniques. Voilà. Bon, j'ai rajouté là les petits, tout petits plats qui s'affichent, parce qu'il y a certains boutons, il n'y a rien de marqué, par exemple celui-là. Là. La porte de frais. Je sais directement à quoi ça sert. Regardez-moi ça. Ça ouvre la porte de derrière. C'est incroyable.
Et donc les avioniques, c'est assez basique. De ce côté-là et de l'autre côté, exactement la même chose. On peut changer ici. Ce qu'on veut afficher, est-ce que c'est la vue radar? On voit notre trajet qu'on avait renseigné juste avant. Ici, c'est la vue avec à gauche la vitesse, à droite l'altitude. Vous reconnaissez, hein. Ici, c'est la caméra, on est trop proche du sol. On verra que c'est hyper utile pour atterrir. Ici, on peut faire afficher le relief. On peut ici dézoomer la carte. Zoomer, dézoomer. Voilà, le relief qui est affiché. La météo, si jamais il y a des orages. Les points de cheminement, voilà, ils viennent de s'afficher là. Vous voyez qu'ils sont utilisés pour atterrir, décoller. Oula, c'est rempli de points. Le mode TFC, j'avoue, je ne sais pas ce que c'est. Les auxiliaires de navigation, pareil, c'est tout ce qui est VOR. Voilà, il y en a un qui s'est affiché la mine. Et vous pouvez afficher les aéroports aussi. Voilà, il y en a un qui est ici, il y en a un qui est ici. On dézoome trop, je crois qu'il les affiche plus au bout d'un moment. Et ça peut être utile, voilà, quand vous voulez voir où se trouve l'aéroport le plus proche pour y atterrir. Ici, il n'y a rien qui est actif. Autre chose pour terminer, avec ce petit bouton là, on peut changer la valeur ici de pression pour avoir la bonne altitude. Je ne sais pas si on est à la bonne altitude là. Le propos là de cette vidéo, c'est de tester cet avion là, c'est pas de piloter de manière réaliste, et puis après tout on pilote un vaisseau de Halo dans Flight Simulator. Alors. Le petit écran du centre, donc on a les radios ici, vous voyez, on off. Pour changer les valeurs là, faut cliquer dessus et taper sur le clavier ici. En appuyant sur ici, on a l'information des moteurs. Donc cet avion-là, il a 4 moteurs, 2 moteurs au niveau des ailes et 2 moteurs à l'arrière. Pour l'instant, ils sont à 0% parce qu'on n'a pas décollé. On a le fuel, on a 2 réservoirs, un à l'avant, un à l'arrière. Vous avez vu, on a rempli le premier 5%, le deuxième, il n'est pas rempli. Et le dernier bouton ne fonctionne pas. En général, on va se mettre sur les moteurs pour le démarrage. Et pour terminer avec les boutons qui sont là, on a Wings, ça c'est les feux de navigation sur les ailes, l'anticollision, les balises, le balise et les phares de roulage. Et ici c'est l'éclairage du cockpit, mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien, en tout cas c'est un peu buggé, il éclaire pas beaucoup. Voilà, le reste on le verra au fur et à mesure. Ensuite on vérifie les freins de parc, c'est ici, là ils sont bien activés. Vous voyez, quand je fais comme ça, les pédales se débloquent. Donc, bien activé. Le levier de puissance, on vérifie bien qu'on l'a mis à 0. Les valves d'arrivée de carburant, c'est les 3 petits trucs là. Il faut juste cliquer dessus pour les ouvrir. Alors, c'est pas très bien fichu, hein, ces vaisseaux du futur. On voit pas s'ils sont ouverts ou s'ils sont fermés. J'imagine par défaut, je pars du principe qu'ils étaient fermés. On va allumer anti-collision avant de démarrer le moteur. Alors démarrer le moteur, c'est ici. Vous voyez, on a les 4 moteurs, 1, 2, 3 et 4. Cliquez sur 1, quand il est allumé, ça veut dire que le moteur est en train de démarrer. Ici, on l'entend un petit peu en fond. Ici, alors le moteur 1, il est où? Sur l'avant ou l'arrière, on va voir. Quel pourcentage va augmenter pour un des 4 moteurs. Il met un peu de temps à démarrer quand même. Dans le futur, c'est pas si avancé technologiquement que ça. Donc c'est celui-là. Voilà, il commence à démarrer petit à petit. On va allumer du coup tous les autres. Hein. Parce qu'ils mettent du temps à démarrer. Une fois qu'ils ont bien démarré, la lumière va s'éteindre. Donc après avoir démarré les moteurs, on active ici les générateurs, moteur et l'alternateur ici. Voilà, et ben là on est bon. C'est vraiment sympa avec cet avion, c'est vraiment tous les bruitages ont été bien travaillés. Je vais vous monter le son des moteurs, vous verrez.
Voilà, c'est presque de l'ASMR. Avant de démarrer, on va faire un petit tour de l'avion quand même, parce qu'il y a un truc qui est sympa dans cet avion, c'est qu'on peut se balader à l'intérieur. Donc là, c'est en utilisant les commandes de déplacement de la caméra à l'intérieur du cockpit. Vous pouvez configurer ça par exemple sur un clavier connecté en USB. Hop là, on va faire genre comme si on se levait. Hop là. Tic. Voilà, donc là, j'imagine c'est pour ranger des armes. Ici, on a des choses qu'on ne peut pas interagir avec. Hein. On a le cockpit de notre vaisseau qui est assez cool. Hein. Et on peut ouvrir la porte ici. C'est incroyable. On rentre dans un sas. Voilà, on a des écrans aussi de contrôle ici. Pas trop à quoi ça sert. Et on peut ouvrir la deuxième porte. Magnifique. On peut se balader. Là, il y a les sièges pour les passagers. On peut pas descendre de l'avion, on va rester bloqué là. Et c'est quand même sympa de pouvoir se balader dans l'avion. Et ce qui manque un peu dans Flight Simulator, la possibilité de pouvoir se balader en vue FPS dans les avions. Allez, on se rassoit. Donc on va décoller, alors on va fermer. On va fermer la porte de derrière. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié, hop là, de fermer les deux portes là. Ensuite, on va allumer Icon, Taxi, Airwings. Allez, on allume tout. On enlève les freins de parc. Et on va pouvoir décoller. Alors, pour décoller, c'est assez simple. Ici, vous avez le réglage de votre manette des gaz, le throttle. La zone qui est verte ici, ça correspond à la zone... Donc ça correspond déjà aux 50% et puis ça correspond à la zone qui va permettre à votre avion de rester en vol stationnaire. Donc pour monter il va falloir être au-dessus, pour descendre il va falloir être en dessous. Donc si vous êtes à l'arrêt comme ça et qu'on met les gaz à 50%, il va rien se passer. Il va falloir les monter un petit peu au-dessus de 50% et on va décoller. Voilà. Et là on remet à 50. Et là l'avion... Il va passer en mode, il passe en mode, mode stationnaire. Maintenant, on va rentrer le train d'atterrissage. C'est ici, landing. On clique dessus. Montre. Voilà. Et on a ce bouton là. Et le bouton mode de vol. Donc là, on est en mode de vol. Stationnaire, on va dire. Décollage stationnaire. Quand on est en mode comme ça, on peut simplement mettre vers l'avant pour avancer, mettre vers l'arrière pour reculer, tourner à droite, tourner à gauche. La caméra, elle est pas agréable par contre en vue extérieure. Décalage. Voilà, et ça c'est vraiment génial pour se balader, et c'est ce qu'on va faire quand on sera en Dubaï. Et ensuite, on a le mode ici, c'est le mode cruise, on va dire. Il met quelques secondes, une fois que vous activez, quelques secondes avant de vous redonner la main, et ensuite de pouvoir le contrôler l'avion. Et là, vous contrôlez ça comme un avion classique, hein.
Voilà, donc ici on a le radar ici pour nous aider à nous rester sur la trajectoire. Voilà, maintenant je vais vous expliquer comment fonctionne l'autopilote. C'est assez basique. On n'a pas d'autopilote qui suit une trajectoire automatiquement ou qui suit des waypoints. Ce que l'avion peut faire, c'est suivre le petit marqueur qui est ici. On déplace ici avec cette petite molette là. Et donc on peut dire je veux que tu ailles à 30 degrés. On active le heading. Ça active aussi l'autopilote et l'avion va tourner automatiquement. Il va partir à 30 degrés par là-bas. On peut activer l'auto-throttle et il va automatiquement activer gérer la manette des gaz tout seul. Et on peut aussi cliquer sur Alt pour lui dire de maintenir l'altitude qu'il a en ce moment. Est-ce que ça marche bien? Ouais, voilà, c'est ça. Quand j'ai appuyé sur Alt, ce qui s'est passé, c'est qu'il a marqué ici en rose l'altitude où j'étais, 2700, et il va essayer de la maintenir. Et ici, c'est la vitesse qu'il a décidé de maintenir en auto-throttle, 190. Ce qu'on peut faire, c'est donc altitude sélectionnée, on peut bouger, changer l'altitude. On veut monter ou descendre. On va descendre un peu. On voit qu'il descend. On peut régler ici la vitesse. On veut aller plus vite ou moins vite. Là, on va monter à 250. On règle la vitesse ici et il gère automatiquement la vitesse tout en restant à la bonne altitude. Et ici, l'inclinaison latérale, c'est pour les virages. On peut la changer pour qu'il fasse des virages plus ou moins larges. Vous avez l'autobanque ici, il va gérer automatiquement l'inclinaison en mieux que s'il n'était pas activé, j'imagine. Et puis ici, vitesse verticale, et si jamais vous voulez que vous voulez monter, imaginons qu'on veuille monter en appuyant sur vitesse verticale, en cliquant plusieurs fois sur up, on va demander à ce que l'avion monte plus ou moins vite. Quand c'est pareil, vous voyez, des fois j'essaie de l'activer, il ne s'active pas, j'imagine que c'est parce que il estime qu'il arrive déjà aux 3000 pieds. Bref, c'est un peu obscur, mais en tout cas, si vous voulez atteindre une certaine altitude et que vous voyez qu'il ne monte pas assez vite, vous pouvez utiliser versus mode up, et c'est pareil, le down, pour descendre plus vite. On va revenir sur le radar. Je pense qu'on s'est un peu perdu. Donc on va faire demi-tour. Là on va utiliser le cap. Et on va augmenter la vitesse. Voilà. Voilà, on va enlever le pilotage automatique parce qu'on a un peu envie de s'amuser quand même. Et surtout, petit truc sympa ici, on peut activer l'autoradio. Pour ça, il faut avoir activé les musiques dans l'interface du jeu.
Super Speed là. Ouais, il y avait marqué Overspeed parce que c'est un avion qui va pas très vite. Au-delà de 350, il peut être endommagé. Donc faut faire attention à ça. On va passer en mode stationnaire. Tac. Il faut quelques secondes avant qu'il se stabilise. Voilà. Ne pas oublier de remettre la manette des gaz à 50%. Et là, on est en mode stationnaire. Et on va descendre. Vraiment pour visiter les villes, finalement c'est l'avion le plus sympa parce que ce mode déplacement stationnaire est vraiment cool en fait. On peut descendre assez facilement, alors faut faire attention parce qu'il prend de la vitesse et avec l'inertie, vous pouvez vous retrouver à taper le sol. Ah oui, la caméra fait des choses très bizarres des fois. Alors, chose à savoir, c'est que quand on est en mode stationnaire, si vous essayez de bidouiller les boutons de l'autopilote, rien ne va marcher en fait. Vous bougez les boutons là, rien ne marche, il faut passer en mode vol comme ça. Mettre le bon cap. Heading, voilà, comme ça, faire le bon cap. Et surtout, ce qui est marrant là, ça. Ça c'est quand même ma foi assez cool, n'est-ce pas? On ne sait plus qu'on puisse sauter en parachute. Voilà, on va terminer notre vol ici. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait à montrer sur ce vaisseau là. Je vais fermer quand même la soute. 350 nœuds maximum. Et dans le jeu, ils indiquent que c'est plutôt 200 nœuds la vitesse de croisière. Et puis en altitude, même si dans le jeu c'est un avion qui va dans l'espace, dans le jeu Microsoft Simulator, il ne va pas du tout dans l'espace. Ils montent à peu près, de ce que j'ai lu, les gens ils arrivent à monter à 40-50 000 pieds. Et c'est là où on va utiliser la cam vision ici. Alors, en fait, je suis trop haut. Donc ici, avec ce petit bouton là, vous pouvez changer voilà l'orientation, l'inclinaison de la cam. De la caméra, donc là on est vraiment au-dessus de la. Voilà, on est au-dessus, je vais reculer un peu. Et donc on va se poser là. Donc ici c'est compliqué quand même, même avec la cam. Voilà, je suis un peu au-dessus, c'est très bien. Et je suis juste devant quand même. Ah ouais, mais parce que la caméra, ouais, d'accord.
la caméra, ce qu'elle montre, c'est l'image satellite. C'est pour ça. Et ça fait bizarre. Ok. Ah oui, du coup, c'est compliqué quand même de se poser avec la caméra sur des objets 3D. On va sortir les trains d'atterrissage. Donc on va le faire en vue extérieure, du coup. Hein. Je voulais faire un atterrissage un peu wahou. C'est vrai que... Oups. Bien. Voilà. On est magnifiquement posé. Bon, j'avais gardé les feux de taxi. On va éteindre la musique de la... Donc l'arrêt moteur est assez simple. Déjà on va s'enlever le taxi. Navigation. Mettre des gaz au minimum. Et en fait on coupe l'arrivée de l'essence. Les moteurs sont en train de s'arrêter. On va pouvoir couper le générateur moteur. On va activer, j'aurais dû faire en premier, les freins de parc. Et puis, c'est tout. Hein. Ce qui nous reste à faire après, c'est simplement de couper les avionics et couper la batterie générale. Et voilà. Alors dans le jeu, j'ai vu, il y a des petits FX là, vous voyez, qui restent activés, alors qu'on n'entend plus du tout le bruit des moteurs. Il suffit, attention, petite astuce. Un coup de manette des gaz vers le haut, même à l'arrêt, voilà, et il s'arrête. Je pense que c'est un petit bug, ça sera corrigé. Hein. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce vol en pélican de Halo, voilà, au soleil couchant de Dubaï. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.